Allô, allô. Oh, il fait chaud là. Allô, allô, allô. Oui, allô, allô. Oui. Ah là, c'est Florian. Oui, ça va. Oh, vous avez une jolie voix, vous, dites-moi. Oui. Vous devriez faire de la radio, tiens. Oui, moi j'y pense, j'y pense. Bon, alors, écoutez, je vais vous poser une énigme. Oui. Allez, concentrez-vous. Voici l'énigme. Elle peut être de fond ou de coton. Piège mortel pour les moucherons. Et ben voilà, quand elle est exceptionnelle, elle peut devenir œuvre immortelle. Oui, j'ai pas tout entendu, hein. Vous pouvez répéter la question? Il y a un petit truc qui est tombé dans le t-shirt. Là, c'est marrant, il a contracté son bras. Je répète, oui. Elle peut être de fond ou de coton. Oui. Piège mortel pour les moucherons. Quand elle est exceptionnelle, elle peut devenir œuvre immortelle. Qui est-elle? Attends, mais on m'envoie des trucs comme ça, moi je m'en fous, je raccroche. Allez, allez, on propose. Coton, boule, non, lame. Alors, bouteille. Bah, Florian, là, c'est trop tard, maintenant, je suis obligé de raccrocher. Bah oui, bah, oui, la communication est limitée, voyez-vous. C'est trop tard, dommage. Non mais raccrochez pas, Père Fouras, on commençait à peine à découvrir. C'était la toile. Oui, la toile de fond. C'est ce qui compose l'arrière d'un décor. La toile d'araignée est un péril pour les insectes, n'est-ce pas? Et puis, la toile d'un artiste peintre peut devenir un chef-d'œuvre. Bah oui. Ça, je le garde.